Attends, j'essaie de deviner ton âge. Tu as. Bah, tu dois être majeur, toi. T'as la tête sur les épaules. T'as la main d'être très mature. Je dirais 18 ans et demi? Non, moi. Comment ça, moi? Bah, 17 ans, donc. Moi. 16 ans, ça va. Non, mais t'as pas 13 ans! Si. Ouais, je vais être dans la merde, attends, parce que je suis streamer, ouais, attends. Vous êtes ridicule! Faites que de la part des choses! Moi, je dois faire ma part des choses. J'étais en train de me branler. Ou alors, je vous confie. J'étais en train de me branler. Allez, viens, Manu, on te raccompagne, tu déranges là. Je sais pas d'où tu sors, mais pour dire des âneries et un peu de bon sens, parce qu'avec le bon sens, c'est toi, ça allez, dégage! Allez, c'est bon. On y va! Je fume pas de drogue. C'est pas de drogue, t'es naturel comme ça. C'est naturel, j'ai juste pas envie de toi, tu parles à ma femme. Ça va t'arrêter, pas de ta femme. Ta femme, c'est une pute alors. Ouais. T'insultes ma femme. T'insultes ma femme. Je suis énervé. Mais fuck you. T'as vraiment trop une tête de teubé. Fais gaffe, tu vas te faire caca dessus. T'as mis une couche. Attention, hein. Tu pousses fort. Ouais, tu vas te chier dessus. Ouais, tu vas chier un M, mon frère. Fais gaffe. T'as vraiment une putain de tête de bâtard quand même, tu vois. Mais c'est marrant, t'as une bonne tête de bâtard. C'est beau gosse, ça. C'est beau gosse. Eh ben, gaffe. Eh ben, gaffe. Bah, ferme ta gueule, parle pas, parce qu'au moment où tu parles, ça casse tout. Hein. Bon, écoute-moi, ferme ta gueule, parce que là, je parle normalement. On entend moi, ta grande gueule maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi tu fous de la gueule? Je suis asiat, pourquoi tu fous de ma gueule? Je parle mieux français que toi, qu'est-ce qu'il y a? T'es bourré, mec, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Baisse tes yeux, je te dis. Vas-y, articule hein déjà. Qu'est-ce qu'il y a, mec, maintenant? T'as un début de calvasse, ouvre ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fous de ma gueule? Pourquoi tu te moques de mon physique? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que tu traînes H24 sur le haut pour essayer de pécho des meufs. Mais personne veut de toi. Tu lances des lives, y a aucune meuf sur ton live. Esclave, reste en bas déjà. Tu vois pourquoi tu parles mal, tu vois? Parce que j'étais gagné, j'étais buté. J'étais terminé, mec. Reste en bas, espèce d'esclave. Tu parles avec moi de toi. Et tu racontes la vie des gens, tu connais même pas les gens, espèce de gros trou du cul de chinois de merde. Mais si t'as un problème, viens, et on va se taper vraiment, espèce de p***, à faire semblant, à faire le gueule, comme tous les mecs de l'Obo, espèce de guignol. Ah mais dis-toi qu'ils vont la rejouer, la Farah, ils ont vu qu'on la se focussait pas, ils vont la rejouer. Bah, hein. Tu sais quoi, le meilleur compte de Farah, les gars, c'est Mei, voilà. Alors, pas du tout, mais si tu veux. Si tu veux. Non, pas du tout. Qu'on met dans le décor parce qu'ils sont vraiment top quali, hein. J'ai pas quoi faire de ça. Parce que j'hésite à les donner à Ilan parce que j'ai pas envie qu'il les triture, quoi. C'est pour jouer pour les enfants ou c'est pour la déco? Oh oui, Pikachu! Oh oui! Oh oui, Pika! Oh je me suis dit quelle infortune. Un mec, il a free spell, t'imagines? Bam! Si tu voulais encore. Oh, Samuel Jackson! J'ai rien dit, j'en ai parlé sur le stream mais j'ai pas dit de le faire. J'ai dit ça serait bien, ça serait drôle. Non, je regardais juste des lives, c'est tout. Concentrez, je vais bien le faire maintenant. Ok, poussez-vous, poussez-vous, j'ai regardé sur le stream. Crash! Mais après le résultat, vous le verrez pas, hein. C'est pas fort! C'est pas fort! Regardez ses cheveux là! Toujours pas, hein! Ça me met des mauvaises énergies! Crash l'image! Non mais c'est nul, hein! C'est flopé! Ah bah voilà, c'est bien ça là! Non mais c'est bon là! Attends, je l'ai fait! Non! Oh, il était beau ce rôle! Oh, même encore ciao! Mais! Vas-y, on va nous aider sur ça! Avec des résonances un peu chelou. Et là, je parle loin de mon micro, c'est mieux ou non? Je crois qu'il faut que tu changes d'opérateur. Ne t'inquiète pas, tu vas arriver dans pas longtemps, je sens que tu vas venir, Quentin. Ah, ça pour venir, je viens souvent, ouais. Ouais, content de te voir, là. Dis donc. Quentin. Qu'est-ce qu'il y a? Quentin, tu sais à qui tu me fais penser? Ouais, non, je sais pas. Le montage est super bien fait. On dirait Keanu Reeves, mais un peu plus développé. Merde. Elle a grillé. Un peu plus développé, elle a dit.
Elle est cool, elle, hein. Elle est rare de trouver sur une fille comme ça. Allez, prends la grosse tête dans un 5ème année, collez-le, là. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler? Putain de merde. Oh, l'autorité. C'est bon, là. Oh, vous voulez commencer le cours, arrêtez de parler. Il est pas crédible, lui, non? Il a craqué. Casse-toi, toi, casse-toi. Pas la peine d'être vulgaire, monsieur le professeur, vous me faites peur, monsieur. Vous me faites peur. Oh là là, parlez. Je peux pas commencer un cours, je peux pas en aligner une sans que vous parlez. Vous arrêtez de parler maintenant, bordel de merde. Il a 16 ans max, il fait déjà le daron, quoi. Tu vois toute la ville allumée. Et en plus, c'est avec toi, la dernière, les premières années, ils commencent à me casser les couilles. Au bout d'un moment, j'ai passé... T'es vraiment une victime, hein. T'as besoin de te confier à ton petit copain en 4ème année? T'as que ça à faire en fait? C'est quoi ton problème? J'ai buté mon crâne. Non, non, mais Loïc, tu ranges ta baguette. Range ta baguette, on va discuter. Il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je t'explique, ce gars-là est une victime. Je lui ai demandé de faire le freestyle. Yo, Oli, comment ça va? Arrête. Rigole bien, vas-y. Arrêtez de m'agresser, j'ai rien fait. C'est bon, tu ranges ta baguette, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Écoute ton supérieur. Voilà, un bon toutou. C'est bien. Pas mon supérieur, c'est mon ami, donc qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce que je peux le buter, sûrement, s'il te plaît? Mais non, tu le butes pas, tu l'écoutes. Tu vas rien faire, t'as rien. Dans Flipper, il y a le flip, t'es une flippette. T'es une petite flippette. Range ta baguette. Bon, Bakary, s'il te plaît, tais-toi. Loïc, s'il te plaît, range ta baguette. Reprovoque-moi encore une fois, je te jure que je te fais le balai. Bon, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de parler. Le flippette, j'y vais, moi. Allez, flippette, va. Non. Putain, qu'est-ce que c'est cool. Mais non, Yuni, tu peux pas me coller là. T'es préfet en flagrant délit de regard d'agression, t'es obligé de le coller. Tu m'as agressé deux fois. Vas-y, colle-moi, me casse pas les couilles, colle-moi. Merci. Voilà, bien. Ouais, il a dit, me casse pas les couilles, il a dit. Allez. Yeah, j'avais pas besoin de faire un ticket. Voilà, même pas besoin de faire un ticket, c'est bon. Je te maudis. J'ai niqué ta race, moi. Il est ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule à rentrer comme ça et à vous croire supérieur aux gens parce que vous avez des connaissances. Attends, il embrouille vraiment? Pourquoi? Moi, je suis un professionnel, je suis pas un guignol, d'accord? Monsieur co-directeur. C'est bien, moi aussi je suis un professionnel, pourtant j'ai pas tout le monde. Voilà, tout le monde n'est pas parfait. C'est bien, vous êtes expert en la matière, je sais pas quoi, vous êtes des amis. Il va s'énerver. Merci beaucoup, je vous laisse partir. Vous êtes ridicule. Faites que de la part des choses. Moi, je dois faire ma part des choses parce que vous n'êtes pas à mon cours, vous n'êtes pas venu à la théorie. Et l'autre, il répond. En mode, vous venez à tous les cours comme ça à la fin du cours et vous demandez le sort et on prend le passe. Oui, bien sûr. J'étais en train de me branler. Ou alors, je vous confie au conseil. J'étais en train de me branler. Allez-y, monsieur Gunnison, allez-y, occupez-vous. Ah, c'est bonjour, monsieur Gunnison. Allez, viens, Manu, on te raccompagne, tu déranges là. Vous n'avez pas fait de théorie. Je sais pas d'où tu sors, mais pour dire des âneries et un peu de bon sens, parce que le bon sens, c'est toi, ça va aller des gars. Oui, c'est bon. Je te souhaite une bonne fois. Mais tu viens de manquer de respect. Là, je viens avec lui pour jouer, pour qu'on se la mette sur FIFA. Sur FIFA. Ouais. Lui va aller sur mes gueules. Mais je te baise, FIFA, t'es trop nul. Donc, dans tous les cas, c'est oh bien. Là, quelle vulgarité. Ah oui, pardon, c'est vraiment normal. Pour les gens du live, je suis désolé. Shut the fuck up! Attends, mais je t'ai déjà eu, toi, non? Non. Ouais, je sais pas, je pensais que je t'avais déjà eu. Attends, j'essaie de deviner ton âge. Tu as... Ouais, tu es majeur, toi, t'as la tête sur les épaules, t'as l'air d'être très mature. Je dirais 18 ans et demi? Non, moins. Comment ça, moins? Moins? Bah, moins. Tu devines. Ah, ça, 17 ans, donc... Moins. 16 ans, ça va, la majorité. Moins. Comment ça? Bah, 15 ans? Moins. Non mais c'est pas possible, ils foutent quoi dans vos nuggets, sérieusement? Vous êtes élevé aux hormones ou... Enfin, t'as pas 14 ans? Moi. Non mais t'as pas 13 ans? Si. Ouais, je vais être dans la merde, attends, parce que je suis streamer, ouais, attends. Non mais c'est impossible, 13 ans. T'as dit rien en parlant de moi. Et alors, ouais? Et alors que j'ai... Et alors? Et alors, je l'ai soulevé? Le jeune Wagadounien... Déjà pour ta gouvernante, écoute-moi, petite écolière là, prétentieuse. T'es au courant que je suis pas de Ouagadougou, hein? Idiote. Parce que tu connais pas ta géographie. C'est pas Poudlard qu'il te faut. Non. Hein, c'est une école normale. De Ouagadougou.
Tu veux des pâtes de poulet? Oui. Donc tu dis ça parce que je suis noir, c'est ça? On va aller par là-bas. Non, parce que tu viens de Ouagadou, il est Ouagadou. Non, je viens pas de Ouagadou. Tu viens d'écouter, tu écoutes ce que je t'ai dit? Je viens pas de Ouagadou, je prends ça comme une offense. Tu sais que c'est motif de racisme? Cette fois, ta langue avant de parler, parce que tu dis vraiment n'importe quoi. Je me fais menacer par des deuxième années là. Bien sûr. Je pourrais porter menacer par des deuxième années. Bouffe. Allez, bouffe, sale pute, va! Bouffe, sale pute, va! On team up? Je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, merci, gros. Vas-y, on team up, tiens. Mais vas-y, mais fais pas ça, mais sale pute, va! Mais fais pas ça, sois fait appeler! Ah oui, c'est fini, putain. Putain. Bon, ça va, on était un V2. Mais ouais, mais dis-le moi aussi, on aurait pu faire un fight. Hein? Tu m'as pas vu? Tu m'as dit qu'on était en 1v1? Mais ouais, mais ouais, tu me butes, mais me bute pas. On se recule, on fait un vrai fight. Mais non, pas GG, mais fou, t'es sérieux, lui. Génial, attends, il y a un code B, génial. Vas-y, parle normalement, là. Vas-y. Je sais pas. Pourquoi il y a 14 bien? Mais non! Le code B, t'es parfait, putain. Je dois ramasser un sous boursin, sa gestuelle, s'il vous plaît. Oh merde. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Je rentre pas dans ces conditions là. Or c'est mi figue mi rien. Quoi? Mais qu'est-ce qu'une baragouine? Laissez-le. On vous demande sa gestuelle. Ça me crisse, ça m'énerve. Mais il a rien fait. Inutile, je vais m'en occuper. Je pense ça, qu'il est un petit peu malade. Il a rien fait. Mais il sait pas. Ça sera pas une rage, promis, t'inquiète. T'inquiète, je me fais discret. Ouais, sale pauvre! Tu l'avais dit. Tu l'avais. Masters, non? Master. Munch? Bien joué. Monster Munch. Il a réussi, les gars. Bravo à lui, hein. Monster Munch. Putain, il m'a reconnu, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, bah là, on fait une vidéo. Là, je tourne une vidéo là pour voir si on me reconnaît. Bah, BG, hein. BJ, bah tu vas gagner un truc quand t'envoies. Alors j'ai pas mal de goûts, c'est toi qui décides. Tu me passes tes coordonnées, j'ai des puffs. Je sais pas si tu connais, plusieurs non. couleurs, tu choisis. Non. J'ai goût pomme. Tu vas sucer de la toi. J'ai déjà sucé, ouais, alors. C'est quoi ton problème? Si je suce une c'est pas toi qui suce, t'es d'accord? Pourquoi ça te dérange? Parce que c'est pas comme ça, l'homme il est fait pour se mettre avec une femme. Ah non, non. L'homme est là pour mettre son sgeg dans tous les orifices qui... On peut peut-être pas non, tout. Non, c'est toi, t'es mais mec, c'est des expériences à connaître, tu l'as jamais fait. Est-ce que tu l'as fait, non? Donc tu sais pas ce qui est bon. Mais gros, mais c'est impossible, tu peux pas. Mais c'est bon, mais t'as jamais défoncé un cul de mec ou quoi? Bah viens, je te défonce ton cul. Bah y'a pas de problème, bah moi je prends souvent, hein, en plus, j'adore ça, je suis passif. Ah, tu te dégoûtes, mais tu le ferais voilà. ou pas, si vraiment on se rend compte. Là, vas-y, bonhomme, je t'envoie mon adresse, on se le fait, on se la donne. Eh, t'es un fou toi. Je viens chez toi, vas-y, dis-moi, donne-moi ton adresse. T'as dit que t'étais prêt à le faire, vas-y. Bonhomme. C'est bon, il peut faire la demande maintenant, c'est bon, il peut commencer. Dites commencer maintenant. C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le best-of de Riri.